nous t'invoquons en ce moment afin que tu viennes prendre possession de ces moments que tu as pu prier. Nous voulons que ta présence sature cet espace de la même manière qu'il sature notre corps, notre cœur. Nous ne voulons laisser aucune place, Seigneur Dieu, exister à la distraction. C'est toi qui nous as convoqués ici en ce soir pour que nous puissions être attentifs à ta parole. Ne permets pas que notre grâce de ce soir nous soit volée par qui que ce soit, ou que nous soyons distraits par quoi que ce soit. Viens remplir mon cœur de ta présence afin que
être un homme selon ta foi. Je me rends compte, Seigneur Dieu Esprit Saint, que sans toi, je ne suis rien. Que ce soir, que tu puisses encore faire de moi un disciple selon ton cœur, afin que par mon témoignage de vie, je puisse rendre présent Dieu dans le monde. Merci pour ce que tu fais pour moi, Seigneur Dieu Esprit Saint. Et merci pour la grâce que tu me fais de vivre en mon cœur. La parole de Dieu est une parole de vie. En l'écoutant, nous sommes vivifiés. En l'écoutant, nous sommes renouvelés, fortifiés, éclairés. Dans le livre de Job, au chapitre 19, je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Job 19, verset 23 à 28. Oh, s'écrit Job, je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription avec un ciseau de fer et du plomb, sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, s'élèvera sur la poussière. Une fois qu'ils m'auront arraché ce peau qui est mien, hors de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Et mes reins en moi se consument. Lorsque vous dites comment l'accabler, quel peut-être trouverons-nous en lui? Craignez pour vous-même l'épée, car la colère s'enflammera contre les faux, et vous saurez qu'il y a un jugement. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je suppose qu'au passage, je vous produis le thème de ces journées, le grand thème, le thème principal de ces journées de bénédiction, n'est-ce pas? Ce thème, c'était « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Si vous avez écouté la version de la Bible de Jérusalem que je viens de lire, elle n'utilise pas le mot « Rédempteur », elle utilise le mot « Défenseur ».« Je sais que mon Défenseur est vivant ». Et c'est déjà très intéressant comme traduction. Mot rédempteur nous paraît abstrait, ça nous paraît un peu éloigné. Il demande qu'on réfléchisse beaucoup. Mais parler de défenseur, c'est déjà un peu plus réconfortant, plus rassurant. Job, au cœur de son épreuve, au cœur de la nuit, de sa souffrance, de son drame, car c'est un homme en but, comment dire, au drame le plus extrême. Il a connu le bonheur sur cette terre, il a connu dans ce monde des hommes, comme peu d'hommes, on va dire, la richesse, la gloire que donne la richesse. Il a connu dans cette terre des hommes le respect que donne la richesse. Il a connu dans ce monde des hommes les amitiés aussi que donne la richesse, la fécondité. Amen. Et voilà que ce temps va être la manière la plus dramatique et violente possible en proie à la souffrance, au tourment. Alors qu'il est acculé de toutes parts,
Job a fait une profession de foi. C'est une profession de foi extraordinaire. Alors il a absolument tout, j'ai dit tout, pour douter de la fidélité de Dieu, tout pour remettre en question la fidélité de Dieu à son égard. Job a dit, je voudrais que l'on prenne une pierre et que l'on grave sur du marbre, sur de la pierre, avec des ciseaux, ce que je vais dire. Oui, je sais que mon Rédempteur, entendez, mon défenseur est vivant. Lorsque on me retirera cette chair, ce peau, et que je irai au séjour des morts, je verrai Dieu. Et celui que je verrai ne sera pas pour moi un étranger. Il sera pour moi. Amen. Il sera pour moi. Il sera pour moi. Amen. Alors, si nous voulons comprendre, on va dire cette notion. Rédempteur, défenseur, utilisé dans les lèvres, montré sur les lèvres de Job. Nous avons besoin de faire un petit voyage dans les traditions du peuple élu. Dans les traditions du peuple élu, le fameux rédempteur n'est pas un étranger, n'est pas un individu quelconque. Qui est-il donc? Qui est-il donc ce fameux homme? Normalement, dans la Bible, dans comment dire, en hébreu, on utilise un mot pour rédempteur. Ce mot-là, c'est le mot Goël. Goël. Essayer de décliner son travail, c'est Goël Adam. Goël Adam. Deux mots. Le premier signifie, on peut le traduire par le défenseur. On peut le traduire par le racheteur. On peut le traduire par le revendicateur. On peut le traduire par différentes expressions. Mais dans tous les cas, c'est le défenseur, c'est le revendicateur. Mais ce revendicateur, ce défenseur, ce protecteur, celui qui protège n'est pas quelqu'un, comment dire, dévoyé, c'est quelqu'un de familier, c'est un parent. Un parent. Amen. Première chose que j'aimerais qu'on retienne, parce que cela, si vous voulez, depuis hier, j'étais toujours parti de la culture, parce que la culture nous permet de mieux comprendre les choses. C'est un parent, c'est-à-dire, et précisément, un homme. Un parent de sexe masculin à qui on est lié, qui a un droit direct de, comment dire, d'héritage sur notre vie. C'est quelqu'un qui peut hériter de nous. Ça veut dire que c'est le premier parent qui a un droit d'héritage de notre vie. Amen. Si tu meurs, il peut hériter de toi, de tes terres, de tes biens, et même de ta femme. Amen. Le Rédempteur, c'est celui-là. Il n'est pas seulement, comment dire, ce proche parent de sang, mais c'est celui qui a un droit d'héritage sur tes biens. Mais c'est également celui qui a le droit, lorsque tu es atteint, comment dire, par la misère, la pauvreté, et que tu es obligé de vendre tes biens, c'est lui qui a le droit de les racheter. Car il ne faut pas que les biens de la famille soient vendus à un étranger. Malheureusement, nous regardons, vous vendez tout. Vous vendez vos villages, vous vendez votre or, vous vendez vos maisons, vous vendez vos quartiers. Et dans les traditions juives, le bien de la famille doit passer à là, c'est le patrimoine. Amen. Donc, c'est quelqu'un, non seulement le lié qui peut, comment dire, hériter de nous, mais c'est quelqu'un qui a également un certain pouvoir, une certaine influence. Amen. Et c'est pour cela qu'il ne peut introduire. Il a les moyens de racheter le bien de la famille pour que le bien de la famille ne se perde pas. Amen. Pour Job, l'Éternel est son Rédempteur. Vous avez vu déjà ce que ça veut dire? Pour Job, l'Éternel n'est pas un étranger pour lui. C'est un proche. Un proche qui, comment dire, peut le défendre. Un proche qui peut prendre prononcer pour lui, un proche qui peut revendiquer sur la place publique en son nom et pour son nom. Alléluia. Alléluia. Le Rédempteur, c'est le parent influent et puissant qui
racheter vos dettes, mais qui peut également racheter votre vie. Par exemple, un homme s'endette. Il s'endette tellement que on va le prendre pour le jeter en prison. Il s'endette tellement que on va le prendre pour le vendre comme esclave. Le rédempteur est celui qui va prendre position dans la société et dit : moi, je me porte garant de lui. Je vais payer sa dette. Je vais le racheter. S'il devait être jeté en esclavage, moi, je prends position contre lui. Si on l'a condamné injustement, moi, je vais revendiquer pour lui. Alléluia. Le rédempteur, c'est celui pour qui tu as pris. Amen. Qui peut engager sa poche, qui peut engager son poids, son autorité pour parler en ta faveur. Si tu as accusé injustement pour te disculper, si tu as attaqué injustement, il peut prendre position pour toi. Si on t'a livré à la mort, il est capable de prendre position pour toi. Alléluia. Vous voyez, rien que ce mot nous ouvre des perspectives, on va dire qu'il nous console. Job, au cœur de sa souffrance, alors que tout a été fait pour qu'il nie Dieu, alors que tout est fait pour qu'il renie Dieu, alors qu'il a tout perdu, garde comme on est ferme la confession de ma foi. Amen. Vous voyez, deuxième enseignement, on va le développer un peu plus loin. Parfois nous pensons, et beaucoup d'entre nous ont la foi quand tout va bien dans leur vie. Amen. Mais il y a des situations que Dieu permet, et nous ferons que Dieu permet, dans un vie humaine, qui sont comme des défis à ta foi, où tu dois montrer que tu crois en Dieu, que tu aimes Dieu, que Dieu pour toi n'est pas un étranger, un lointain, c'est quelqu'un que tu connais, qui est proche, alors même que tout est dit le contraire, alors même que tu as le sentiment que ta prière ne monte pas, alors même que tu as l'impression que Dieu t'a oublié, que tu ne comptes pas au ciel de Dieu, Job t'enseigne que même au séjour des morts, tu ne dois jamais cesser de croire que Dieu est ton défenseur, ton rédempteur, ton protecteur, ton goël. Il n'est pas seulement cela, il est également ton justicier. Alors, c'est ici qu'il faut évoquer la deuxième expression que la Bible utilise pour parler du goël. C'est l'expression goël Adam. Ça veut dire que le rédempteur, c'est également quelqu'un qui va te venger. Et la Bible dit, à moi la vengeance, n'est-ce pas, à vous le pardon. La Bible, parlant du rédempteur, lui donne le titre également de justicier. C'est celui qui, non seulement, qui va te protéger, qui va te racheter, qui va plaider ta cause, mais c'est celui également qui a le devoir de venger ton sang. Quand dans une famille, quelqu'un a été tué innocemment, quand dans une famille, on a fait du tour à quelqu'un innocemment, ce n'est pas tout le monde qui va agir. C'est le goël qui va agir pour réclamer ton sang et parfois pour payer le venger ton sang. Alléluia. Oui, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il est ce Dieu-là, non pas un étranger, quelqu'un de déconnecté, mais quelqu'un à Ouroboro. C'est comme ça que l'enfant, non? J'ai parlé un peu bien? Non. Vous avez compris un peu quand même. J'ai essayé. Hein? Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour moi, qui compatit à ma misère, quelqu'un aux yeux de qui j'ai du prix, quelqu'un qui ressent ma souffrance, quelqu'un qui souffre quand je souffre, quelqu'un qui a posé son regard sur moi, un regard fait d'attention et qui est en mesure d'intervenir pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous permet de comprendre cette mystérieuse qualification de Job à Dieu. Il est le justifié, il est le justicier, il est celui qui doit, comment dire, prendre possession de
prendre, revendiquer nos biens, revendiquer en notre faveur, prendre position en notre faveur. Oui, c'est ainsi que Dieu a vu Dieu. C'est ainsi que Job nous invite à voir Dieu. S'il vous plaît, pas quand tout va bien seulement, mais aussi quand tout va mal. Quand tout va mal et que même nous sommes, comment dire, aux portes de la mort, nous ne devons jamais oublier que Dieu est celui qui agit en notre faveur. Parce que nous l'oublions. Nous l'oublions à la moindre épreuve, nous doutons de Dieu. À la moindre souffrance, nous détournons de Dieu. À la moindre tentation, nous bouchons les oreilles. Au moindre problème, nous menaçons Dieu et nous faisons du chantage. Si tu m'aimes, si vraiment je compte à tes yeux, fais quelque chose. Si vraiment je compte à ton cœur, agis en ma faveur. Mais nous oublions que les voies de la sagesse de Dieu ne sont pas nos voies. Nous oublions que nous ne connaissons pas les voies de notre destinée. Nous ne connaissons pas les chemins que nous devons emprunter pour atteindre là où Dieu veut que se réalise notre vocation ici sur la terre. C'est Dieu qui sait. Alléluia. 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 On va faire un petit saut. Le Rédempteur, entrevu lointainement par Job, qui se lève sur la poussière de la mort, c'est bien Jésus-Christ. C'est Dieu qui a fait alliance de sang avec nous. C'est le Verbe qui s'est fait chair, et qui s'est fait chair de notre chair, sang de notre sang, qui partage notre nature humaine, car la nature humaine est une. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'on soit gros, petit, tassé, vieux, jeune, vieille, le sang de l'homme, c'est le sang de l'homme. La chair humaine, c'est la chair humaine. L'esprit humain, c'est l'esprit humain. Que l'on soit vert, que l'on soit métisse, que l'on soit bleu, noir, jaune, peu importe, l'humanité est une. C'est pour cela que la Bible nous enseigne que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Et qu'en Jésus-Christ, nous avons un seul Dieu et... Bon, ceci quand même, vous êtes déjà fatigué. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est la parole de Dieu qui libère et qui guérit. Ok? C'est la parole de Dieu. La parole est, comment dire, guérissante. La parole est transformante. La parole est purifiante. Par exemple, tu es découragé. Quelqu'un te donne une bonne parole, tu vas retrouver le courage pour continuer, n'est-ce pas? Par exemple, tu écris, quelqu'un te dit une parole, j'en dis, cette parole a le pouvoir de t'éparter et de réveiller, de mettre la joie dans ton cœur. La parole est une communication de vie d'abord. Malheureusement, nous l'utilisons pour faire le mal. Nous l'utilisons pour faire le mal, mais normalement, la parole a un pouvoir de transformation, de communication, elle a le pouvoir de faire bouger les choses. Elle peut guérir notre cœur, comme elle peut rendre notre cœur malade. Un jour, je rejoins une petite fille qui avait fait deux tentatives de suicide. Elle prend la lame, elle ouvre les veines, le sang coule, elle s'évanouit. C'est dit ça, sa vie. Et quand elle se promenait, la robe chemise jusqu'ici, chemise jusqu'au pantalon jusqu'au bas, parce qu'elle avait des cicatrices partout, à force de s'ouvrir les veines. Un jour, je la reçois, on me l'amène, je commence à faire, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment cette affaire-là a commencé? Elle me dit ceci, mon père. Un jour, mon papa était en colère. Il a commencé à parler. Les parents, quand ils sont en colère, ils disent n'importe quoi. Et il m'a dit, d'accord, toi, tu n'es pas ma fille. Je te redis, tu ne veux plus me sentir. Jamais tu n'as été ma fille. Tu ne seras ma fille. Et la fille dit, j'ai entendu cette parole. Quand elle est rentrée dans mon cœur, plus il parlait, plus la parole rentrait dans mon cœur, plus j'avais envie de disparaître.
Je n'avais qu'une envie, c'est de disparaître. Et quelques jours après, ça m'a travaillé. Et un soir, alors que cette parole tournait dans mon esprit, ben j'ai eu envie de disparaître. Et pour disparaître, j'ai pris les larmes. J'ai ouvert, amen, la parole. Il y a un pouvoir de la parole. Quand vous négligez la parole, celle que vous devez aimer, celle qu'on dit sur vous, celle que Dieu prononce sur votre vie, amen, vous passez à côté de beaucoup de bénédictions et vous passez à côté de votre mission qui est celle de venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le sang, Dieu a fait alliance avec nous. Le Dieu intemporel, le Dieu éternel, le Dieu qui était lointain, l'étranger, s'est fait un des nôtres. Il a pris sang dans notre sang, chair dans notre sang, les mêmes larmes, la même vie dans ses veines, à l'exception du péché. Amen. Et pour nous, ce Dieu-là, par amour pour nous, a accepté de verser son sang pour que nous soyons sauvés. En Jésus, Dieu a dévoilé son visage de Noël, de Rédempteur. Celui qui accepte de se sacrifier, celui qui accepte de donner sa vie pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés. Et le mot sauvé signifie tout plein de choses. On pourrait dire que c'est l'équivalent de la bénédiction, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la faveur de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la communication du salut. Amen. C'est la consolation, ce sont les dons de Dieu, ce sont les faveurs divines, c'est la vie divine elle-même. C'est tout cela en même temps le salut. Dieu s'est fait en Jésus-Christ le Goël, le frère de sang, qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés, qui a versé son sang pour que nous soyons libérés, qui a pleuré, qui a saigné, qui a pris notre place à la croix pour que nous soyons soustraits au pouvoir de la mort et pour que nous soyons soustraits à l'accusation du diable. Amen. 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 Je sais, moi, nous enseigne l'apôtre, non, qu'enseigne Job, que notre Rédempteur est vivant. Vivant. Concrètement, Dieu est maintenant solidaire de notre histoire. Dieu est notre parrain. Veux m'excuser. En principe, ça devait vous parler. Parce que la culture africaine est une culture de la famille. Même si aujourd'hui, nous sommes en train de défaire tout, de tout détruire. Amen. En Jésus, Dieu partage votre sang, votre histoire. Il s'agit d'amour et de sang avec nous. Amen. Lorsque nous l'invoquons, lorsque nous lui parlons, nous ne devons jamais oublier que nous nous adressons à celui qui a fait de nous ses frères. C'est ça le Goël. Le frère influent, le frère puissant, le frère qui nous justifie, le frère qui revendique notre vie, le frère qui nous rend héritier de ses biens, le frère qui nous protège, le frère qui nous bénit, le frère qui nous sauve. Amen. Qui peut nous racheter de l'esclavage. Le péché est un esclavage. Comme dit l'Écriture, on est esclave de ce qui nous domine. Parfois nous sommes esclaves dans notre cœur. Nous marchons, nous crions, nous sommes à l'aise et nous faisons d'être libres. Mais dans un coin de notre vie ou de notre cœur, nous sommes des esclaves. Amen. Parce qu'il y a une petite chose, petite, qui nous domine. On essaie d'enlever, mais c'est toujours là. On a beau essayer de renoncer, mais ça revient. Amen. Le Goël, c'est Jésus. Dieu nous a donné, capable de nous racheter de l'esclavage, du péché et de la mort. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Mais bien aimé, Job. Job nous a invité à voir dans ce Goël ce Dieu non seulement tout aimant, mais ce Dieu tout puissant qui se dresse sur la poussière de la mort. Ce Dieu qui
se fait notre parent, notre frère, qui nous appelle ses enfants, ses frères, ce Dieu victorieux de la mort, et ce Dieu victorieux également de Satan, et ce Dieu infiniment bon. Il dit, je sais que ce qu'il sera pour moi, l'Emmanuel, Dieu avec, j'ai fait un grand saut. Il sera pour moi. Quand quelqu'un est pour toi, ça veut dire quoi? Que la personne est en ta faveur. Ce Dieu-là est désormais de ton côté. Il est de ton côté. Il est dans la vie et dans les luttes de la vie de ton côté. Et la souffrance, souvent, nous fait oublier cela. Et dans la souffrance, nous sommes toujours tentés de douter de cela. Job dit, je veux un ciseau de fer et de plomb. Je veux qu'on sculpte dans le roc pour toujours. Écoutez bien, je veux qu'on sculpte dans le roc. En d'autres termes, on ne doit jamais oublier. Je veux qu'on n'oublie jamais ce que je vais dire. Je sais que moi, que mon défenseur est vivant. Que lui, le dernier, il se lèvera de la poussière. Une fois, ils m'auront arraché ce troupeau qui est mienne. Une fois qu'on m'aura mis à mort, où j'aurai perdu ma vie, celui-là que je ferai sera pour moi. Je le ferai, et je ne le ferai pas comme un juge. Je ne le ferai pas comme un méchant, comme un étranger, comme un étudiant pour me condamner, mais comme le Goël, le parent qui prend ma défense et qui vient me justifier. Amen. Alors, dans quelles circonstances on trouve cette parole sur les lèvres de Job? Eh bien, c'est un moment donné où Job est maintenant accusé même par les seuls qui auraient dû le consoler. Ce sont ses amis. Job a tout perdu. Il a même perdu quelque part le respect de sa femme. Ses enfants sont morts, ses biens sont partis. En principe, les amis, c'est ce qui devrait rester dans ce moment-là. Or, ses amis deviennent ses accusateurs. Amen. Il dit, mais lui, il sera pour moi. Amen. Lorsque vous dites comment l'accabler, quel prétexte trouverons-nous en lui? Criez vous-même l'épée. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas l'étranger. Il sera mon défenseur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Goël n'est pas un homme comme les autres, parce qu'il est Dieu fait homme. En d'autres termes, il capitalise toute la puissance. Le Goël était un homme influent dans les traditions. Il était un parent fort, influent, un homme fort en quelque sorte. Celui qui pouvait protéger la famille, celui qui pouvait te protéger, qui pouvait plaider ta cause, qui défend. Mais ici, le Goël que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu lui-même. Donc, celui à qui est soumis le ciel et la terre, le juge des vivants et des morts, celui à qui nous appartenons dans la vie comme dans la mort, celui qui même mort demeure vivant, celui pour qui la nuit comme le jour est lumière, celui qui est le jour du jour, celui au regard de qui rien n'échappe, celui à qui aucune puissance ne soustrait, celui à qui aucun pouvoir, comment dire, ne soustrait, celui à qui la domination est vouée, le petit enfant qui doit conduire les nations de la terre, celui qui a reçu pouvoir, honneur, autorité, domination pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Mes bien-aimés. Job nous enseigne que dans les épreuves, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne l'entendons pas, nous ne devons jamais oublier qu'il est vivant. Dire qu'un être est vivant, c'est dire qu'il bouge, c'est dire qu'il se meurt, c'est dire qu'il est capable d'influencer, c'est dire qu'il est capable de mettre des choses en mouvement, c'est dire qu'il y a du dynamisme, il y a de la vie. Amen. Et dire qu'il est vivant pour toi, c'est dire que son activité, son action est en ta faveur. Il travaille pour toi. Amen.
C'est ici qu'il faut la lumière de la foi. C'est ici qu'il faut, comment dire, la puissance de la foi. Car dans la douleur, dans la souffrance, nous pensons que tout échappe à Dieu. Dans l'épreuve, dans la maladie, dans la mort, nous croyons que la mort a gagné, que le diable a raison, que le mal a eu raison. Dire que je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce qu'il permet dans ma vie et pour son dessein de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que vous avez compris, hein? Parce que c'est ici que tous nous tombons. Le mystère de la souffrance et le mystère, on va dire, de la sagesse impénétrable de Dieu. Pourquoi Dieu permet tel épreuve? Pourquoi Dieu tolère telle défaite, tel échec dans notre vie? Alléluia. Job te dit, n'oublie jamais qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Au ciel, au plus haut des cieux, par-dessus les anges, à la droite du Père, il règne. Dans les mondes inférieurs, les mondes invisibles, il règne, car il est Seigneur des Seigneurs. Sur la terre des hommes, tout genou fléchira. Nous fléchirons. Sur la terre des hommes, toute chair fléchira. Tout genou fléchera, toute langue confessera. Attention, il y en a qui le feront librement. Et c'est mieux ce qu'il faut faire. Mais il y en a qui sont obligés de le confesser, même ses ennemis. Vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? Je peux le redire? J'ai dit ceci. Tout homme, toute femme, tout être humain, fléchira le genou devant Jésus-Christ, car il est Seigneur des Seigneurs, roi des rois, celui à qui le Père a remis souveraineté, domination et gloire, comme l'alpha, l'oméga, comme le premier d'entre les morts. Tout Dieu le fera, même l'œil qui ne voit pas le fera. Tout homme fera le genou, même l'homme sans jambes se mettra devant lui, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Amen. Amen. Il vaut mieux le vouloir. On acclame pour lui. Ça veut dire quoi, il vaut mieux le vouloir? Ça veut dire qu'il nous est profitable de choisir de nous soumettre à lui, même quand tout va mal. Parce que les autres seront obligés de se mettre à genoux. La puissance divine les contraindra à se mettre à genoux. Le démon est obligé de se mettre à genoux devant Jésus. Malgré toute sa puissance, tout son orgueil, le démon est obligé de se mettre à genoux. Il ne le fait pas librement. Il ne le fait pas parce qu'il le veut. Il ne le fait pas parce qu'il aime Dieu. Il sait que Dieu existe. Mais il le fait contraint par l'autorité divine. Il le fait poussé par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il le fait en tremblant. Il le fait en pleurant, il le fait, comment dire, catastrophé, il le fait contraint par la puissance de Dieu, par le bras de Dieu, ce bras est puissant en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, l'Éternel est vivant, Dieu est vivant, rien n'est comme on échappe à la main de Dieu, rien n'échappe à la puissance divine, rien n'échappe à l'autorité du nom de Dieu. Nous devons en être convaincus. Je pourrais lire des témoignages, j'aime pas beaucoup faire ça. Parce que quand on donne des témoignages, parfois les gens, au lieu d'écouter demain, ils vous regardent. Ils vous écoutent. C'est vous qui devenez le centre. Alors que l'instrument n'est jamais au centre de l'action. C'est la main qui veut regarder. Amen. Amen. Je vais donner quelques témoignages. Des choses que j'ai vues. La seule chose que je n'ai pas encore vue, c'est quelqu'un qu'on a mis au tombeau. Est sorti. Et j'ai vu des gens, les médecins disent, ah, Rodrigue est là? Rodrigue peut se mettre debout, est-ce qu'il peut se mettre debout? Il est où? Rodrigue est où? Rodrigue peut témoigner parce que sa femme est témoin. Et il y a quelques mois, on vient me chercher une femme hospitalisée à Libreville, au CHU Libreville.
Elle venait de promettre, femme déjà âgée. Les médecins disent, elle a fait un accident cardiovasculaire, un AVC. Les médecins disent, il n'y a rien, c'est juste une question de minutes ou d'heures. Il n'y a plus rien à faire. Déjà, elle m'avait été transportée depuis le Mouina jusqu'à Libreville. Les médecins disent, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Je connaissais sa fille, qui vit à Port-Gentil. Elle m'appelait de mon père, va quand même prier pour lui, pour elle, même s'il n'y a plus rien à faire. J'arrive, j'étais avec un frère, Jean-Marie. Nous avons prié 30 minutes, nous sommes partis. Quelqu'un pour qui les médecins avaient dit avec confiance, c'était une question d'âge. Le lendemain, la tête a dit qu'elle s'est réveillée, elle assiste naturellement, elle parle naturellement. Quelques jours après, elle rentre chez elle. Amen. Levez la Oh, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que tous les malades que je touche guérissent. Entendez-moi bien, parce que si vous allez aller à mes défauts, mon frère, touche là. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis honnête quand je prêche. Je ne mens pas. Je dis des choses que j'ai vécues. Amen. Amen. Je vais donner un deuxième témoignage. Cette fois-ci, moi-même, une jeune fille, complètement paralysée. La maman s'assied. La maman n'est pas paralysée. La maman est mauvaise. Tu lèves une petite fille de 11 ans, 12 ans. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Mon père, on ne sait pas, on a tout fait. Amen, la fille, j'ai dit, venez la fille. On l'a fait rentrer dans le bureau. J'ai prié à peu près une heure. En une heure, elle s'est réveillée, elle s'est relevée. Alors qu'elle était incapable de lever le doigt, elle est sortie du bureau. Quand la maman l'a vue sortir, la maman est tombée à genoux, les bras en l'air, a commencé à bénir Dieu. Amen. Levez le cœur, est vivant. Notre Sainteur est vivant. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Je n'ai fait que prier. On m'a appris que la prière était arme. On m'a appris que la prière libérait la puissance de Dieu. J'ai appris cela. Et moi aussi, j'ai dû y croire. Je continue à m'efforcer d'y croire. Je n'y étais pour pas grand-chose. Je n'ai été à ce moment qu'un instrument. Amen. Je vais donner un autre témoignage. Témoignage. Il y a la semaine passée, il y avait une évangélisation à Notre-Dame de Liquoire, à Liquoire, l'église de Liquoire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bien ça, hein? Amen. Et le dernier soir, j'ai décidé de prier. Avant-dernier soir, je faisais l'enseignement sur les forces qui s'opposent au mariage. J'ai prié. C'était vendredi. Dimanche, à la messe, chez moi, et vendredi, dimanche, suivant à la messe, une femme arrive à la porte, je dis vous aussi quand même. On vient de finir la messe, je suis fatigué, laisse-moi. Non, mon père, je dois te voir. Je dois te voir. J'ai dit, bon, viens, deux minutes, j'ai dit, deux minutes. La femme va dans mon bureau, elle ouvre son sac, elle se rendit en mailloté dans un espèce de plastique, elle le sort, elle dit, mon père, je vais vous dire quoi. Quand vous avez prié vendredi, vous avez prié pour que ceux qui avaient des problèmes de ventre soient délivrés, et vous avez annoncé qu'il y a des femmes qui allaient faire des choses. Mon père, c'est la maison. Il y a un truc bizarre qui est sorti de mon ventre. Elle ouvre un petit sachet. Je vois une espèce de boule de sang et de graisse. Elle sort. Je dis, mais c'est sorti. Dis, mais le jeune homme, tu fais pas de l'eau. J'ai mis au congélateur pour que les gens puissent voir. Pour que les gens sachent que la puissance de Dieu opère. Et je voulais, parce que si j'allais raconter aux gens, ils n'allaient pas me croire. Amen. Ils n'allaient pas me croire. Alléluia. Ils n'allaient pas me croire. Vous comprenez? Je veux donner un dernier témoignage parce que c'est important pour rendre compte que Dieu est vivant, Dieu est agissant, Dieu est opérant. Mais c'est aussi important que vous sachiez qu'il y a des situations où vous avez l'impression que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il ne fait rien, qu'il ne dit rien, qu'il n'est pas vivant et qu'il ne travaille pas pour vous. Amen. Amen. Donc il apprend le Dieu qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plus étonnant, c'est une personne que j'ai reçue, je lui donne un programme de prière. Femme qui avait des problèmes de ventre, un programme de prière. Elle se lève le matin comme ça, elle a envie d'aller aux toilettes. Elle va aux toilettes, vous savez qu'est-ce qui est sorti? Une chenille. Une chenille est sortie de son sac de frappe. Elle a souffoqué! Souffoqué! Heureux, malheureusement, prise de panique, elle aurait pu filmer, mais elle a eu peur d'attirer la chasse. Amen. La parole de Dieu est vivante.
et puissante. Alléluia! Amen. Est-ce que tu es sûr
que Dieu est fier de ta foi. Quand Dieu dit à Satan, je connais cette peur, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de Job. Est-ce que Dieu peut dire, je le connais? Dieu veut même pousser le bouchon. Dans les Écritures, il y a des exorcistes juifs qui veulent chasser le diable. Au nom de ce Jésus que prêche l'apôtre Paul, sors! Au nom de ce Jésus que prêche, dégage! Et bien, mon Dieu, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Paul, je le connais! C'est le Seigneur de Dieu! Jésus, Dieu ne peut même pas. Mais toi tu es qui? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Eh bien, je vais vous expliquer. Est-ce que Dieu est fier de ta foi? Est-ce que Dieu compte sur toi? Est-ce que ton Dieu regarde, il pose son regard, il regarde sur ton cœur, il pose ses yeux sur ton cœur, il est fier de toi, il est heureux de te voir, il est fier de ce que tu fais, il peut compter sur toi, il peut se compter sur toi. Amen. Oh, les parents le savent. Quand on est un bon enfant, on est fier. Même si maman n'a pas réussi, même si papa n'a pas réussi, quand son enfant réussit à l'école, quand son enfant vient avec une bonne note, quand l'enfant est le premier, papa bombe la poitrine. Maman se sent fière, elle se sent heureuse parmi ses copines de quartier ou de village. Aide-moi, mon fils, même si le feu ne lui envoie rien, même si la fuite, aide-moi, mon fils est ingénieur. Pierre lui-même sera réclamé par Satan. Satan va demander.
lèvera pied pour pied et dira à Pierre, quand tu seras revenu, affermis les. Il y en a qui veulent affermir, n'ont jamais été éprouvés. Hein? Qui veulent affermir? Tous qui veulent affermir, non, mais n'ont jamais été éprouvés dans leur foi. Amen. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, nous devons apprendre donc à porter notre croix tout en croyant en Dieu. La croix, nous devons la porter avec patience. La croix, nous devons la vivre en attendant l'heure où Dieu décidera de nous la retirer. Ça ne veut pas dire que quand tu es malade, tu n'as pas besoin de te soigner. Ça ne veut pas dire que quand tu es tenté, tu dois te laisser aller au péché. Ça ne veut pas dire... Non, tu dois te battre contre la maladie, tu dois te battre contre les problèmes de la vie, mais avec les moyens que Dieu te donne. Ton intelligence, la science que Dieu a lui-même créée, les moyens que Dieu te donne, la prière. Tu dois tout faire pour sortir victorieux de ces problèmes, car ce n'est pas Dieu souvent qui les cause, c'est nous-mêmes qui les avons provoqués, et le diable, ou alors le diable passage. Amen. Nous devons porter la croix avec patience. Nous devons porter la croix et tout en demeurant fidèles. Fidèles! Dieu peut te bénir, te bénir, te bénir, te bénir! Et tu peux être à la fin de ta vie l'homme le plus minable, la femme la plus misérable. Il y a ici des dizaines, pour ne pas dire les centaines d'hommes et femmes, que Dieu avait, à qui Dieu avait donné une destinée glorieuse. C'était les Ocas, les Ogénies, les sauveurs de cette nation. Et vous êtes vous-même embrouillés, embrouillés dans toutes sortes de saleté. C'est vous-même allez vendre votre gloire. Vous vous êtes prostitué et vous avez vendu vous-même ce que Dieu vous avait donné. Amen. 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 Oui, ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés à la gloire que nous ne serons pas éprouvés. Si Dieu te donne la gloire, tu seras tôt ou tard et si Dieu t'appelle à la gloire, tu seras aussi éprouvé. Ici, j'aimerais que vous lisiez le livre de la Genèse, le chapitre 45 jusqu'au chapitre 50. La Bible nous parle d'une figure exceptionnelle, c'est le jeune Joseph. Joseph, le dernier fils de... Joseph, le dernier enfant de... Le dernier, il y aura un autre, ok? Mais d'abord lui. Joseph, Joseph, Joseph déjà enfant, Dieu lui montre tout ce qu'il va être. Quand il dort, il voit des rêves où il est grand, il est comparé au soleil, il est ok, que tout le monde vient. Et le matin, il s'élève, vous savez, les enfants sont innocents. Et il dit, oh papa, maman, mais j'ai vu que le soleil et la lune se prosternent. Vous voyez, le soleil et la lune se prosternent au pied de quelqu'un. Papa dit, l'enfant là, 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 toi tu m'as tiré des problèmes. On ne parle, tu veux dire quoi? Que tu vas nous dominer, nous tes parents? Mais Joseph est l'enfant préféré de papa. Les frères ont entendu, Joseph va devenir grand. Donc déjà papa l'aime. Donc s'il devient grand, nous on devient quoi? Il dit non, 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 non. On ne peut pas permettre ça. Amen. Mais c'est Dieu qui a dit à Joseph que je vais te rendre grand. Aussi grand, plus grand que le soleil et la lune, tu seras grand. Le soleil et la lune, c'est pour se procéder à tes pieds. C'est Dieu qui a montré cela à Joseph. Amen. Comme nous sommes bavards, turbulents, têtus, parfois imprudents, hein? Il est dit, il raconte à nouveau, ce frère dit, nanana, le petit là, on le voit venir. Amen. Et comme le démon a pour mission de voler, de détruire et d'égorger, il ne le fait pas toujours comme ça. Rarement des fois, le démon venait à l'école, le démon utilise des éléments. Amen. Amen. Dans le cas de Joseph, le démon va utiliser ses propres frères, sa propre famille. S'il vous plaît, Joseph n'a pas fait de péché. Il n'a pas fait, il a juste été un peu turbulent, trop bavard, n'est-ce pas? Il a manqué de prudence, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a empêché que ses frères veuillent le tuer? Est-ce que ça a empêché que ses frères le vendent comme esclave? Est-ce que ça a empêché qu'il retrouve lui, l'homme que Dieu a choisi, esclave en Égypte? Non! Parfois nous pensons que telle foi, c'est elle qui va nous permettre de réussir tout de suite, alors que les frères de Dieu ne sont jamais nos voies.
fidèle à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Joseph aurait pu dire, oh, Dieu de mon père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de mon papa Jacob, tu m'as abandonné. Regarde, mes propres frères m'ont vendu. Maintenant, je suis en Égypte, là, je suis un esclave. Prenons les dieux de mon roi, prenons les dieux de mon patron. Il aurait pu me dire, mais vous voyez, il arrive là, au lieu, et là, dans sa situation d'esclave, il devient le chef des esclaves. Comment il est le président pour devenir le chef des esclaves? En volant, en mentant, en adorant les dieux d'Égypte, il est devenu le chef des esclaves parce qu'il travaillait bien. Vous avez compris? Et parce qu'il était fidèle à son maître. Il travaillait bien, il était fidèle à son maître. Le maître est élevé. Amen. Il a continué à travailler bien, être fidèle à son Dieu, le Dieu de ses pères. Et le démon a dit, non, non, le petit là, il a envoyé une femme. Ça va? Oh, il y a du monde ici. Est-ce qu'on m'écoute? Si il y a du monde, dites amen. Vous m'écoutez? Le démon a envoyé qui? Avant c'était les frères. Après c'est maintenant une. Et Joseph dit, non, je ne peux pas. Moi je sers un homme. Il aurait pu me tuer. Il me traite bien. Il m'aide. Je travaillerai toujours bien, mais je ne peux pas. La famille, si tu ne veux pas, je te vends. Il dit, si c'est ainsi, il n'a rien fait. Voilà comment Joseph se retrouve en prison. En prison, réduit, mais Dieu, quand même, tu exagères. Voyez, non? Quand c'est vous comme ça, là, vous cherchez toute la magie possible. Vous changez d'église 4 ou 5 fois. Hein? Vous êtes prêts à aller au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina, chercher tous les fétiches du monde. Mais ce que vous oubliez, c'est que Joseph était en Égypte, il y a toute la science des choses de la nuit. Amen. Il a accepté de faire la prison. Et dans la prison, il continue à croire en son. Et il passera de la prison au. Il passera de la prison au. Parce que c'était un voleur. Parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Parce qu'il faisait son mal, son travail. Parce qu'il était méchant envers les autres en prison. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à... Parce qu'il est resté fidèle à... Mes bien-aimés, Dieu ne dort ni ne sommeille. Même dans la prison, si Dieu a décidé de t'élever, il t'élèvera. Même dans l'obscurité de la mort, si Dieu a décidé de te ramener à la vie, il te ramènera à la vie. Amen. Alors, il nous faut tout simplement, si nous voulons réussir notre épreuve, notre bac spirituel, continuer à servir Dieu et croire que Dieu est vivant, notre Goël, il ne se désintéresse pas, il travaille selon sa sagesse. C'est lui qui a le maître de notre vie, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Travaillons donc, soyons excellents dans ce que nous faisons, prions et soyons fidèles dans ce que nous faisons. Amen. Et si nous commençons nous-mêmes à nous ennuyer, même si tu devais être un roi, ben balayeur de rue, tu ne seras pas. Parce que quand le démon a décidé d'en finir avec toi, il va te décrire jusqu'à la moelle. Amen. Alors, il faut donc travailler dur, être persévérant, fidèle à la loi de Dieu. Et il faut apprendre à pardonner même à ceux qui nous font du mal. Je reviens dessus. Enfin, il faut bénir nos ennemis. Job 42, 10. Job 42, 10. Et il faudra venir aussi, car, comment dire, le livre de la Genèse. Dieu a élevé Joseph, et Joseph deviendra une bénédiction pour ceux qui l'ont vendu. N'a pas dit Dieu m'a élevé, donc vengeons-nous, n'est-ce pas? Parfois, certains ne vont pas, vous voyez donc que le pardon est important. Le pardon est important. Il aurait pu dire, j'ai réussi, donc on va maintenant, ils m'ont vendu comme esclave. Ils ont tenté à ma vie. Vengeons-nous. Amen. Job lui-même, pour que Dieu le relève. Pour que Dieu relève Job, on va écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Et j'arrête là. J'arrête là exactement. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et le Seigneur restaura la situation de Job.
Tout avait été détruit. Dieu a décidé de reconstruire. Et l'Éternel restaura la situation de Job. Tandis qu'il intercédait pour ses amis. Et le Seigneur a cru au double pour les biens de Job. Celui-ci vit venir vers lui tous ses frères et toutes ses sœurs, ainsi que tous ceux qui autrefois le fréquentaient. Partageant le pain avec lui dans sa maison, il s'apitoyait sur lui et le consolait tous les maux que le Seigneur lui avait infligés. Chacun lui fit cadeau d'une pièce d'argent, chacun lui cédait un anneau d'or. Il avait béni la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Amen. 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 Si tu n'es pas prêt à pardonner et à bénir même tes ennemis, il te sera difficile de rentrer dans ta restauration. Parce que, en fait, Dieu peut se servir de tes ennemis pour t'élever. Et quand tu élèves un homme, il ne l'élève pas pour qu'il soit un égoïste, pour qu'il soit un vengeur. C'est lui le vengeur, le bon homme. Il nous demande de leur pardonner et de les bénir. Amen. 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 Cette parole, Seigneur, nous la confions à la garde des anges gardiens de chacun ici présent pour qu'elle porte du fruit, pas seulement ce soir, mais tous les jours, jusqu'au dernier soir de la vie de chacun d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est donc en train, ces trois derniers jours, de sceller ce que nous avons reçu. Moi, je suis rempli, je déborde même. Partout, je passe, ça pousse derrière moi, tellement je coule. Alléluia! Amen. Si tu ne débordes pas encore, mon pasteur peut t'inquiéter, mon frère peut t'inquiéter. Parce que les écluses des cieux se sont ouvertes et le torrent est déversé sur nous à profusion. Celui qui n'est pas encore rempli maintenant, qui se met à jouer, qui prie le Seigneur, il nous reste à peine quelques heures. Alléluia! Amen. Et donc, lundi, c'est le 9e jour. Et lundi, nous aurons la messe d'action de grâce. Je me rends compte que beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas encore changé de physionomie. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore la vie de fête. Nous n'avons pas encore la vie de noces. Il y en a qui sont encore habillés en jaune. Il y en a qui sont encore habillés en marron. Il y en a qui sont encore habillés en vert. La couleur, c'est le blanc rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la couleur de l'Esprit Saint. Et nous sommes 9 jours de bénédiction. Alors lundi, au 9e jour, nous allons faire comme chaque année, chacun va apporter l'offrande au Seigneur pour rendre grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas une offrande par famille, c'est une offrande par personne. Si j'estime que le Seigneur m'a béni, je ne viendrai pas dire Seigneur merci de m'inviter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu estimes que Dieu a béni ton petit garçon, ne laisse pas venir les mains vides non plus. Amen. Donc lundi, nous aurons à 18h30. Nous sommes au 15e jour de la neuvaine. Demain, c'est 15e jour. Et lundi, c'est 15e jour. Maman, quoi, là, qui s'appelle en compter. Nous sommes au 15e jour. Demain, c'est le 15e jour. Et lundi, c'est le 15e jour. Alléluia. On ne lit pas le programme, on compte. Nous sommes au 15e jour de la neuvaine. Nous avons commencé le dimanche. Le dimanche, quelle date? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui, ça fait combien de jours? Demain, c'est le. Et lundi, c'est le. J'ai fait un CP1S, scientifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la neuvaine finit lundi. Le 9e jour de la neuvaine. Et donc je répète, ce jour-là, nous venons rendre grâce au Seigneur. La neuvaine que vous avez entre les mains, qui est intitulée neuvaine à Notre-Dame de l'Espérance, ne sert pas uniquement pour le 9 jours de bénédiction. Amen. Jésus. En la parcourant, vous remarquerez qu'il y a dedans des prières qui sont
pour toutes les circonstances de notre vie. Pour les mariés et les femmes de nuit, la bénédiction marchale que je vous avec. Jésus. Donc ne croyez pas simplement qu'elle vous servira juste pour le 9 jours. Jésus. C'est un outil de prière pour votre quotidien. Un soir, vous pouvez vous lever nuit, tourmenté par un esprit du mal, et dire une prière qui vous mettra hors de sa portée. Amen. Nous allons nous mettre debout. Le Père Paul l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et vivant veut dire qu'il est agissant. Amen. Vivant veut dire qu'il est opérant. Amen. Il se lèvera pour moi.